ברשות מלכי לה הקדישה, ברשות בעלי ההילולה, הקדושים והטהורים, למגיד דמזריץ', לבעל התניא, שניאור זלמן, לז'ור דה סא ליברסיון, ואוסי קונסידרי סא הילולה. On peut dire avec la permission de Rav Raskin, Birshut, Mara de Atra, on se trouve dans Echal Menachem, que le zchut du Rabbi soit avec nous et qu'on puisse tous très prochainement accueillir Mashiach Tzidkenu. Birshut Arabanim Achashuvim, Kol Echad Ve'Echad, Evik Vodo Ma'alato. רב רסקין שליטה הקהל קדוש פותחים בכבוד אכסניה קום רב רסקין מונה דודיר ז'ווה לזכות דה פר לסיום דו רמב״ם אנואל סטנה שפסאו ג' תמוז לז'ור דו הילולה דו רבי בין סור סטה קום שתמואניה ותה גרס à Rabbi Raskin que l'année avant, il m'a dit que le prochain Sioum allait se passer le jour du Hilula de Rabbi. C'est ça qui m'a donné le push. Baruch Hashem, j'ai commencé un autre cycle. Je vous souhaite à vous aussi, chacun selon son temps, peut-être une fois tous les trois ans, une fois par année, d'essayer de faire cette étude magnifique du Rambam. Alors on commence l'Ikhvod Arsania, et comme j'ai dit, la communauté juive entière de Montréal doit beaucoup, beaucoup de Hakarat HaTov à notre cher Rav Raskin. Et aujourd'hui, c'est à la famille Raskin. Michal Menachem, Bet Chabad Kotzen Luc et la famille Raskin travaillent non-stop. Comme j'ai témoigné, j'ai personnellement terminé le Rambam grâce au push de Rav Raskin. Quelques mois, le jour de l'anniversaire de Rav Raskin, Ad 120, Rav Raskin m'a demandé de se lever et parler. Et c'était un jour où il y avait un shiur, il donnait le shiur, son shiur shvui du Tania. Et j'ai pris sur moi Blinede, bien sûr avec le push de Rav Raskin, de fixer une étude dans le Tania. Plusieurs fois j'ai étudié plusieurs Zdarim dans des Chassidoutes, mais j'ai jamais étudié le Tania. Quand j'ai commencé à chercher, écouter des Shiurim, ouvrir des livres, j'ai vu une profondeur incroyable. Et j'ai décidé que si je commence à apprendre, comme ce qu'il vient de dire Rav Gatenio, je ne peux pas garder cette étude pour moi-même. Et une semaine avant Rosh Hashanah, Baruch Hashem, on a commencé un cours Shvui de Tania, comme ce qu'il a dit Rav Raskin, à la synagogue d'Ater et Torah. Baruch Hashem, ça donne un très très grand chizouk à tous ceux-là qui participent et surtout à moi. Quand Rav Raskin m'a demandé de parler et de partager avec vous une idée de qu'est-ce que la chassidut en général et particulièrement le Tania a eu comme influence sur ma vie, j'ai tout de suite décidé de raconter une histoire que j'ai écoutée, que j'ai racontée d'ailleurs dans le premier shiur que j'ai commencé. J'aimerais partager cette histoire avec vous. Vous savez tous que le Rabbi, il avait un sfor chassidim, énormément de chassidim, des personnes, des supporters aussi, des tomchim. Parmi ces chassidim, il y avait
une personne qui était très spéciale. C'est le Rav Gouhari. Le Rav Gouhari avait le zchout, pas rien que de supporter le Rabbi, mais d'être très proche à la famille du Rabbi. Et plusieurs fois, c'est lui qui s'est occupé personnellement du Rabbi lui-même. Le Rav qui raconte l'histoire, il dit que vraiment le Rabbi chez lui à la maison, c'était une simplicité qui est presque une pauvreté. Il n'y avait rien de matériel. Et vraiment, quand le Rabbi avait besoin de quelque chose, le Rav Gouhari, il avait cette zechout de combler, si on peut dire, des manques matériels qu'on avait besoin à la maison. Et comme c'était le cas, le Rav Gouhari était très proche au Rabbi et à la Rabbanit. Un jour, le Rav Gouhari, c'était un grand businessman. Un jour, ça veut dire qu'il a planifié un voyage d'affaires. Et après quelques semaines de planification, il est rentré dans la voiture pour aller à l'aéroport. En allant à l'aéroport, il a remarqué qu'il n'a pas le billet d'avion sur lui. Il faut comprendre qu'il y a quelques dizaines d'années, on n'avait pas le billet d'avion sur notre cellulaire. On ne pouvait pas demander de l'agent qui nous envoie un email avec le billet d'avion. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, en 1991, le billet d'avion, c'était un cahier. On avait un pouch spécial, un pouch bleu pour garder le billet d'avion. Et le billet d'avion, ce n'était pas un seul billet. C'était carrément un cahier. Chaque fois, il fallait déchirer une autre partie. Alors, il a oublié son billet. Vous demandez, c'est quoi le big deal d'oublier un billet? On n'a qu'à faire un demi-tour et aller chercher le billet. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Rabbi Yehuda Hassid, le Rabbi Yehuda Hassid, c'est un grand maître. Il a écrit une tzava'a. Et dans sa tzava'a, il y a des choses qui sont interdites de faire. Parmi ces choses-là, c'est que si quelqu'un il quitte la maison pour un voyage, il n'a pas le droit de retourner chez lui à la maison, même s'il a oublié quelque chose, et même si c'est le billet d'avion. Alors Rav Gouhari, il se trouve un grand dilemme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne perd pas la tête à un chassid, il appelle tout de suite le secrétariat du Rabbi, le maskir du Rabbi, et il lui raconte l'histoire. Le maskir, il lui dit de lui donner quelques minutes et il va le rappeler. Il appelle quelques minutes après avec une réponse. Le maskir, il lui dit, le Rabbi, il a dit que Mistama, tu dois avoir un livre de Tania avec toi. Le Rav Gouhari répond, oui, bien sûr. Il a dit, le Rabbi, il a dit que tu vas apprendre maintenant un perek de Tania. Et là, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Parce que quand quelqu'un il étudie un perek de Tania, c'est plus la même personne. C'est sûr que le Rabbi, il ne jouait pas avec les tzavaot de Rabbi Yehuda Hassid. Le Rabbi, il nous a enseigné un enseignement incroyable. Quelqu'un qui étudie un perek de Tania, c'est pas la même personne. Je dois, avant de vous faire une bracha, je dois d'abord remercier tout le groupe qui vient tous les mercredis à 8h30
J'espère, Bezrat Hashem, que le groupe il va grandir. On va pouvoir diffuser encore beaucoup plus de Shiurei Chassidut et surtout Shiurei Tania. Je dois remercier, pas rien qu'au groupe, aux femmes de tous ceux-là qui participent dans le groupe. Et bien évidemment, ma femme, qui est depuis qu'on est mariés, même avant, me pousse et me donne la force d'aller Michaï El Chaï. Shelachem Vesheli Shelaou. Je souhaite à nous tous que grâce aux zchout de Baalé Aïloula, on va mériter d'apprendre et d'enseigner plus de chassidut et qu'on va être choutafim de diffuser Torah ta chassidut choutza. Et grâce à ça, on va mériter de rapprocher et de voir Beviat Mashiach Tzidkenu ובגאולה השלמה והאמיתית במהרה בימינו בגופים אלו ממש אמן כי יהי רצון